chaman ou coco. Pour le chaud, car nous aimons le chaud. Moi, je trouvais que c'était trop bien. C'était rigolo. J'ai aimé les chansons et c'était bien. Moi, tout. Tout entier. Et qu'est-ce que t'as préféré ? Les rêves. Les rêves ? Et la chanson préférée ? Crunch, crunch, biscotte. Alors, depuis quand vous faites des spectacles pour enfants ? Je sais plus, je crois que j'ai passé pour la première fois au Festival de Bourges en 89. Voilà, c'était un spectacle que j'avais fait comme ça, parce qu'on me l'avait commandé. J'avais pris que des chansons pour adultes, que j'avais installées sur scène avec un décor et une mise en scène qui permettait que ce soit pour les enfants. Donc il y avait du Bobby Lapointe, du Charles Trenet, de Michel Rivard, des Snows, Prévert, etc. Et pourquoi avoir choisi le spectacle pour enfants en particulier ? Est-ce qu'il y a des spécificités à ce genre de spectacle qui font que c'est plus agréable à travailler, plus agréable à jouer ? C'était pas ça pour moi. Un spectacle, de toute manière, pour les enfants ou pour les adultes, il doit être travaillé et exister et les plaire aux adultes, le spectacle pour les enfants. Et quand je chantais beaucoup, par exemple, dans les tournées CCAS en national, des FGDF, etc., où je faisais une énorme tournée, c'était pour les adultes et les enfants étaient au premier rang. Et j'avais beau parler de choses très graves, des fois, je me rendais très bien compte qu'ils attrapaient ce qu'il y avait d'important, presque toujours. Et c'est quelqu'un qui m'a commandé, qui est venu me voir sur scène pour les adultes, qui m'a commandé le spectacle pour enfants. Et est-ce que, ce qu'on peut voir dans votre spectacle, il y a un aspect très ludique pour les enfants. Tout ce jeu de couleurs, les langues, l'allemand, est-ce que c'est fait pour vraiment leur apprendre quelque chose, essayer d'avoir un rôle un petit peu ludique, ou alors c'est fait essentiellement pour faire rigoler, être dans la comédie ? Oh bah c'est ludique quand ils y prennent plaisir. Il m'arrive d'avoir des enfants qui m'engueulent parce que j'ai pas d'italien, que j'ai pas d'arabe et que j'ai que de l'espagnol, de l'allemand ou de l'anglais. Et pendant le spectacle, ils ont tout fait et ils l'ont fait comme un seul homme. Enfin, il y a vraiment, ils répondent immédiatement. Ils sont fiers de le faire, ils sont contents. D'autres qui se font prier, d'autres qui veulent pas l'allemand, d'autres qui veulent pas l'espagnol. Ça dépend des fois. Et c'est toujours, comme je fais des disques aussi qui vont avec, je me dis toujours que si leurs instituteurs ou leurs parents ont envie de faire continuer le spectacle, ils peuvent s'amuser à jouer avec ça, ou ça peut leur donner des idées qu'ils n'auraient pas ce jour-là, ou pas que j'en ai plus qu'eux, c'est pas le propos, mais en tout cas celles que j'ai eues, ça peut les emmener vers, ça fait un tremplin aussi pour d'autres choses, mais c'est pas pédagogique dans ma tête. C'est pour montrer aussi que la langue étrangère, avec les histoires de différence entre les uns et les autres, et on peut en parler aussi en ce moment beaucoup, je trouve, c'est une sorte de musique, de Bach, Kuchen, der Bäcker hat gerufen, c'est une espèce de rythme et de musique qu'on peut répéter sans comprendre ce qu'on a dit, c'est pas important. Que pensez-vous du choix du festival, le festival de la chanson française donc d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix, d'avoir mis dans son programme des spectacles pour enfants ? Moi je suis très contente de ça parce que très souvent c'est effectivement le parent pauvre. Même ceux qui font des chansons pour enfants mais qui ne les chantent pas, souvent considèrent que c'est pas moins bien, mais c'est un petit peu pas aussi bien que. Alors que moi, je suis vraiment persuadée que c'est aussi important pour les adultes que pour les enfants. Et c'est bien d'avoir, enfin, de donner cette possibilité. Bon, parce que ça fait des petites graines. Et puis, moi, je sais que j'ai deux ou trois spectacles, quatre maintenant spectacles pour enfants. Il y a plein d'enfants qui ont 12 ans, 15 ans, 17 ans, qui me les rechantent quand ils me voient. Et ça fait un point de départ, je trouve. Oui, c'est des petites graines, quoi. Des sortes de petites graines. Puis j'ai fait aussi beaucoup de tournées dans des trucs ruraux ou autres, enfin des endroits, les FOL pour ne pas les citer, ou les Franca, ou je ne sais pas. Les instits, ils font un travail là-dessus aussi beaucoup. Ça les intéresse de pouvoir le faire. Ça leur donne un matériel des fois. Et moi, je trouve ça bien parce que c'est de la chanson et puis pas de la mauvaise. Donc contente d'être sur le programme de ce festival. Très contente. Et très contente qu'il y ait de la chanson française en festival parce qu'on en entend assez peu des fois.
la voix.